Bonjour à tous, c'est Krim. On se retrouve une nouvelle fois pour un let's play sur les Sims 4. Donc toujours le Wonder Chat Challenge, on en est à l'épisode 14. C'est un challenge qui va bientôt se terminer puisque Andrea n'est qu'à 8 petits jours de passer adulte. Donc il nous reste que ce laps de temps pour lui faire gagner un maximum de points pour, pour finir le challenge le plus haut possible. Donc écoutez, on est parti. Alors, on en était où? Ah oui, il vient de rentrer du travail. Donc, au niveau du travail, c'est pas terrible. Hein. J'ai choisi un métier en fait. J'ai fait une petite erreur stratégique. C'est-à-dire que j'ai choisi un métier qui prenait pas beaucoup d'heures dans la journée en me disant comme ça j'aurais plein de temps pour lui faire faire ses autres compétences. Sauf qu'au final, la journée de travail dure tellement peu longtemps que du coup, il n'a pas le temps de progresser. Donc voilà, c'était une petite erreur stratégique, c'est pas grave, au pire on prendra pas les points du métier, mais on aura au moins les points des autres compétences. Donc il est crevé, donc il va aller dormir. Et puis on verra tout le reste après. Ensuite, sa mère est toujours au travail. Lui s'ennuie, mais c'est pas grave, écoute, quand ta femme arrivera, pardon, tu auras droit de faire un petit crac-crac. Ça remontera le moral des troupes, hein, comme on dit. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors. Bon. Ensuite, quand tu veux, quand tu veux. John a obtenu des pièces. On va les vendre, ça fera un petit peu d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Des biscuits au fromage, bien sûr. Ah, j'imagine que le frigo est vide, donc il faut que madame, quand elle rentre, même si elle est fatiguée, elle prépare quand même à manger, puisque effectivement, le frigo est désespérément vide. Pourquoi tu t'es pas ouvert? Parce que t'es pas là, forcément. Oh bah non, il y a encore un petit peu à manger. Alors il y a les potions d'émotion. Oui, tu es triste, mon petit, je sais que tu es triste. Mais j'y suis pour rien, moi, c'est pas de ma faute. Tu n'es pas le Wonder Child, donc tes besoins m'importent quasiment pas en fait. Tant que tu peux t'occuper un peu du jardin et faire en sorte que la vie de mon Wonder Child soit plus facile, moi ça me suffit. Bon, t'en es où toi? Ouais, tu dors toujours. Donc après tu iras manger un petit bout de pasta primavera. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on va te... Ah oui, t'avais à manger mais dans le sac, mais tu l'as pas fait. D'accord, qu'est-ce qu'on va te faire travailler? Après, un truc qui peut te remonter un peu le moral. Tiens, tu vas chanter. Tu sais pas chanter encore. Bah, tu vas chanter. Voilà, ça devrait te remonter un petit peu le divertissement. Toi, t'es explosé, bah va dormir. Tu te laveras demain, enfin tout à l'heure quand tu te réveilleras. Dors un petit peu parce que je crois que ton mari il aimerait bien remonter sa barre de divertissement, enfin non, de relations sociales. Et toi, comme tu dois remonter ta barre de divertissement, peut-être moyen que tout le monde y trouve son compte. Ok, bon, lui il a les deux barres à remonter comme ça. Allez, va te doucher, c'est toujours mieux avant. Voilà, et après, hop, faire crac crac avec John. Et quand tu veux, hein. Tranquille, toi t'en es où? Tu continues à dormir. Ok, magnifique. Et hop, les barres qui remontent comme par magie. C'est beau. Cuisine. Alors, toi, tu vas cuisiner. Qu'est-ce que tu vas leur faire de bon? Une soupe de palourde. Ah, là, là, là.
Ouais, toi tu dors toujours quand tu veux. Lui s'en fiche, il est bien, il dort. On s'occupe bien de lui. Bon, on le fait un peu bosser aussi, mais on s'occupe bien de lui. Et bonjour Marine. Bienvenue sur le chat et bienvenue sur cet épisode du Wonder Chat Challenge. Alors, allez, on va le faire dormir encore un petit peu, on va monter la barre au maximum. Après il ira manger, et puis après il ira chanter, ça fera remonter sa barre de divertissement. Et ça lui permettra de gagner quelques points de compétences. Ce qui est toujours ça de... Ah, bref, alors il s'est écroulé. Et bah écoute, va te coucher, hein. Tu verras, le lit c'est mieux que la moquette. Allez hop. Accélère, voilà, magnifique. Il est très tendu, t'inquiète pas. Oh mon dieu, qu'il est moche ce pyjama. J'avais pas fait attention à ça. Bah écoute, ça va bien, et toi? Tu profites des fêtes. Ah oui, alors j'ai mal mis le micro, il peut pas y accéder. C'est pas grave, si on va te le déplacer, ton micro. Ah non, il est trop tendu pour faire ça. Eh ben, va jouer aux jeux vidéo. Allez, ça fera monter ta compétence. Et en même temps... Et oui, il y a des Français qui jouent aux Sims. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Après, ça dépend des heures aussi de la journée, quoi. Mais bah écoute, je suis contente que tu aies atterri ici. Bon, il en est où de sa compétence jeu vidéo? Il est à 4, on va arrêter. Parce qu'il vaut mieux gagner plein de petits points à droite à gauche. Je pense que c'est plus rentable que d'aller au bout d'une compétence. Voilà, un point de plus. Vas-y, chante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? La peinture, il a pas fait la peinture. Non, il a pas fait la peinture. Toile classique. Voilà. Allez. Vas-y, hop, un deuxième point. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, j'ai oublié d'aller travailler. Ah, ça va pas aider pour la promo, ça. Oups. Ouais bah tant pis, on va y aller quand même. Ça c'est comme les anniversaires, je pense que les promos pour le challenge c'est mort. Les anniversaires c'était mort, les promos du travail ça va être mort aussi. Est-ce qu'elle a... Non, elle a pas cuisiné parce qu'elle était crevée, donc il doit rester des pâtes. Prendre une portion. Aller aux toilettes. Ah oui, j'ai dit que il avait des jours de congé, non? Ouais, il a des jours de congé, donc il va pas aller à l'école parce que... Alors oui, j'ai le DLC animaux, mais comme là, dans le challenge Wonder Child, en fait, c'est un challenge qui a été créé avant l'arrivée des animaux, il n'en est pas question dans le challenge, donc du coup, j'ai pas voulu me compliquer la tâche et j'ai pas mis d'animaux dans ce challenge. Mais ce sera sûrement pour une prochaine vidéo parce que j'ai trouvé un ou deux challenges qui me plaisaient bien avec les animaux, donc on va pouvoir tester tout ça. Alors on va annuler l'école, prendre un jour de congé école, comme ça il va pouvoir, après tu iras te doucher. Le jardinage non plus tu connais pas, et bah tu vas connaître aussi. Tu vas faire une toile classique. Toi, qu'est-ce que t'as? Ta faim? Va faire à manger. J'arrête pas de te le dire d'aller faire à manger. Je comprends pas que tu sois pas déjà en train de préparer la fameuse soupe de palourde. Allez.
Ton mari fait quoi? Il faiblit. Hop. Bah, il a discuté avec toi. Comme ça, ça va l'occuper un petit peu. Plus de choix. Il va aller aux toilettes, mais tu vas peut-être attendre que ton fils ait fini sa douche, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Là, tu peux. Et après, tu pourras aller discuter avec madame. Plus de choix amical. Conversation profonde. Alors, en fait, le but du challenge, c'est de prendre un couple, enfin, deux colocataires, on va dire un homme, une femme, de leur faire faire un enfant, qui est donc l'ado que tu vois là. Et à chaque étape de sa vie, le but, c'est de lui faire apprendre un maximum de compétences à chaque étape pour que ça, en fait, ça donne des points. Et le but, au final, c'est de faire un wonder child, c'est-à-dire un enfant parfait, quoi, un enfant merveilleux qui donc aurait le maximum de compétences et serait le plus parfait possible. Donc voilà, on en est à l'adolescence. John va mourir. Il lui reste 7 jours. Donc voilà, le but c'est en 7 jours de faire monter un maximum ses capacités, essayer d'engendrer quelques traits de caractère pour gagner des points et voilà, et finir le challenge avec le plus de points possible. Allez, c'est parti. La peinture, voilà, encore un point de gagné. C'est parti. Céleste part travailler. Je pense que John va mourir. Sa barre scintille. Alors, bon, toi tout va bien, tu finis ta peinture, après tu iras manger. Hop, on va ranger la soupe de palourde avant qu'elle périme. Et après, tu iras prendre une portion. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas exactement qui a inventé le challenge. Mais je sais, voilà, il vient du forum américain à la base. Il a été traduit en français sur le forum officiel des Sims FR. Mais effectivement, tu me poses une colle parce que je ne sais pas qui a créé ce challenge. C'est pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est assez fun. Et puis en plus, c'est pas trop long comme challenge parce que finalement, c'est la vie d'un Sims, mais de sa naissance à la fin de l'adolescence. Donc c'est... Voilà, là on est au 14e épisode, pardon. Je pense qu'il y aura 15-16 épisodes, c'est pas énorme. Ah oui, exact. Merci Missing. Effectivement, c'est Pinstar, oui. J'avais complètement zappé ça. Merci pour le petit rappel historique du créateur. Donc, on en est où? Donc, tu manges, tu t'ennuies, bah oui, mais tu t'ennuies, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Un truc que t'as pas encore fait, t'as pas cuisiné? Ah voilà! Tu vas cuisiner des haricots aux saucisses. Ça fera un point de plus. Voilà. Ok, t'as fini de manger. Super. Alors là, c'est bon. Hop. On va essayer de monter un peu ses compétences après. Parce que c'est bien beau de prendre un point partout, mais. Hop. Ça y est, t'as fait à manger. Ça doit être dégoûtant vu ton niveau. Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas non plus, c'est pas le challenge haute gastronomie. John, qu'est-ce que c'est quoi ton point? Bah va parler à ton fils, tiens, pendant qu'il fait du sport, c'est pas mal ça. Ça va l'occuper. Voilà. Enfin, laisse-le bosser quand même. Hein. Allez. «
Il y a quelqu'un qui a laissé une casserole sur le feu, c'est normal. Tout va bien. Heureusement qu'on n'est pas dans la vraie vie, la baraque a déjà pris feu 15 fois. Bon, ça va mieux toi le moral? Oui, bah maintenant on va faire le ménage parce que... C'est un coup à se faire bouffer par les cafards ça. Allez hop, tiens, s'entraîner à chanter, puis tirer à raconter des blagues, ça fera 2 points de plus aussi. Allez, c'est parti. Ah non, le chant, tu l'avais déjà travaillé. Bon, c'est pas grave. Alors, je pense que le père va pas tarder à mourir, hein, parce que... Ce qui, à mon avis, tiendra pas jusqu'à la fin du challenge, celui-là. Hein. C'est mort. J'avais déjà peur qu'il meure avant que le petit passe à l'adolescence, mais je pense que pour le père, ça sent le sapin. Et la mère, ça va. La mère, elle devrait voir la fin du... Elle devrait voir la fin du challenge, mais le père, il n'y a pas trop... J'en ai peur. Allez, prendre les restes. Tiens, va réparer. T'es fatigué? Bah oui, t'es fatigué. Bah écoute, ça arrive à tout le monde. Hop là. Ouais, on s'en fiche. Un petit tour aux toilettes. Prendre les restes. Et tu vas aller regarder la télé. Hop, regarder la télé. Et toi, t'en es où? Allez, arrête de chanter, raconte des blagues. C'est bien. Dans les traits, on en est où? Ce serait bien que tu fasses tes devoirs pour choper le trait responsable. Ça ferait toujours des points. Parce qu'en fait, les traits de caractère qu'on arrive à gagner aussi en les achetant dans la boutique de récompense ou quoi, ça permet aussi de gagner des points. Donc en fait, il y a plein de façons de gagner des points dans ce challenge. Hein. J'arriverai pas à compléter toutes les compétences de toutes les façons. Le but, c'est d'en faire le maximum. Allez hop, ça suffit. Les blagues, c'est terminé. Fais tes devoirs. Ça va faire monter ton trait responsable, logiquement. Que tu passes au moins, qu'on ait au moins ce trait-là. Et John, il résiste. Hein, il meurt toujours pas, c'est bien. Ouais, vous savez, on va dormir. Et genre, tu pars te coucher tout seul. Il n'y a pas de... Bon. Après tout. Excusez-moi. Un petit coup d'allergie. Ah, ça y est, c'est relevé. Il a toujours la barre, c'est lui qui est bien. Prendre des restes. Vas-y, mange. Après, t'auras le droit d'aller dormir, promis. Désolé, il y a eu une petite coupure. Ça a bugué. Excusez-moi, j'espère que vous êtes toujours là. J'ai relancé. Donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui, il a toujours cette barre, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça a coupé chez vous ou... J'espère que c'est revenu surtout. Oui, ça a l'air d'être revenu. Ok. Espérons que ça ne recoupe pas. Ok, t'as fini de manger, ben tu vas dormir. Toi, tu vas nettoyer un petit peu, ranger, nettoyer. Nettoyer. Est-ce que tu as fait tes devoirs au moins? Non, t'as pas fini tes devoirs, mon gars. Peut-être pas abusé non plus. On va peut-être pas abuser. Il faut quand même bosser un peu. Hein. Alors...
que je ferai où? Donc tu finis tes devoirs, t'as fini de manger là peut-être, non? T'as pas besoin de manger pendant 15 ans. Ouais, allez, terminé. Tu es courbattu. Ah ouais, tu vas pas vouloir faire tes devoirs parce que tu es très mal à l'aise. Eh ben, va dormir. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ensuite... Céleste. Eh ben, Céleste, elle va dormir, hein, parce que, bon... Alors, hop. Donc tout le monde dort, on va pouvoir passer en vitesse un peu plus rapide. En vitesse plus rapide. Ah, il faut qu'il aille au travail, on va essayer de ne pas être à la bourre aujourd'hui quand même. Hey, coucou Oli, je vais bien et toi? On va le faire travailler dur parce que sinon on n'est pas rendu. Déjà qu'il avance pas. Utiliser. Prendre des restes. Ah, attends, tu vas peut-être pouvoir finir l'assiette de ton fils. Hein. Il n'y a pas de petit profit. Voilà. Il n'y a pas de petit profit. T'as des plantes aussi à t'occuper là. Alors, faire évoluer. Là-bas derrière, faire évoluer. Entretenir le jardin. Allez. Accélérer un petit peu le rythme. Il rentre maintenant. Allez, mange un morceau. Utiliser, prendre une douche. On va essayer de le détendre un peu parce que c'est pas comme ça qu'on va monter des compétences. Hop, tu vas aller vendre un tableau et tu vas aller tiens, récolter, ça va faire monter ta compétence jardinage. On en est où? 6 jours. Ça passe vite cette histoire, ça passe vite. Je me rappelle encore quand j'en étais à galérer pour juste faire qu'ils tombent amoureux les parents pour pouvoir leur faire faire un bébé. Et maintenant c'est devenu un grand bébé. Oui, en fait je fais le challenge Wonder Child. Donc voilà, le but c'est de maximiser le plus. Bah, sors de la bête aussi, sors de la salle de bain si tu veux pas voir ta mère. Voilà. Donc en fait le but c'est de maximiser toutes ses compétences à chaque étape de sa vie, depuis le stade bambin jusqu'au stade adolescent. Et voilà, chaque trait de compétence engendre des points et. Non, on va pas aller au lycée, on va appeler, on va dire qu'on prend un jour de congé encore une fois. Et on va continuer à maximiser un peu toutes ses compétences. Alors ce serait bien d'appeler le lycée avant que le lycée ferme, quoi. Allez. Tu peux le faire. Magnifique. Niveau 2. Quoi? Tu peux pas appeler, c'est trop tard, il est en retard, donc il sèche. Ouais, vas-y, appelle. Sinon on va dire qu'on est malade, On a pas eu le temps de poser un jour de congé. Désolée d'entendre ça, j'espère que vous irez mieux bientôt. Eh ben voilà. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien de mentir, mais... Mais ça permet de gagner des jours. Sinon tu vas jouer aux échecs avec ton père, ça va faire remonter tout ça. Jouer avec John. Voilà, tu veux t'attendre ton fils, c'était bien aussi.
Non, bah vas-y, joue tout seul sinon. Allez, vas-y. On est parti. Ah, c'est bien, ça leur remonte les compétences divertissement et social. Et ça fait gagner quelques points. Non, vous jouez plus. Non, non, bah vous jouez plus. Ça sert à quoi de rester assis avec une table d'échecs si c'est pour pas jouer, les gars. Allez, on y va. Après, on va aller peindre, tiens. Toile classique, grande toile classique. Alors, j'ai pris le parti de faire monter un maximum de points dans plusieurs compétences plutôt que de maximiser une compétence en particulier. C'est parce que je pense qu'il est plus facile de... qu'il est plus facile de gagner les points au début quand il est niveau 1 ou 2 que d'aller jusqu'au niveau 9 ou 10, quoi. C'est stratégique. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ou pas, mais vu que depuis le début du challenge, j'ai un peu des stratégies toutes pourraves. Donc, je sais pas trop si ce coup-ci c'est une bonne idée. On verra bien. Non, franchement, c'est pas trop dur. Ça va, c'est pas trop dur. Après, j'ai fait pas mal d'erreurs en chemin, donc forcément, j'ai pas les points que j'aurais pu avoir si j'avais pris, enfin, fait d'autres choix. Mais sinon, ça va. Reprendre grande toile. C'est quoi déjà tes traits? Je me souviens plus. Génie créatif. Ah bah ça va te plaire de faire des toiles, non? Est-ce que t'as des points à dépenser? 500 points, c'est pas grand chose. Je peux pas t'apprendre de traits. Non, papa, la compétence toilette, non. Mais il l'a appris quand il était petit, alors c'est bon. Voilà, c'est bien. Vendre un collectionneur. Faut essayer de gagner des points là. Qu'est-ce que j'ai comme compétences qui sont à 4? Fitness, peinture. Allez, peinture, parce que de toute façon, comme t'es créatif, tu vas monter plus vite ta compétence peinture. Que deviennent tes parents? Tes parents ont faim. Il est toujours vivant, lui. Papy fait de la résistance. Hein. Il veut pas mourir. Alors que c'est bien, parce que sinon, s'il meurt, l'autre, il va avoir un moodlet tout pourrave pendant des jours. Et ça va être compliqué. Donc, plus tard il meurt, mieux c'est. Peut-être même qu'il mourra pas dans cet épisode. On sait pas. Hop, Céleste a ramené de l'argent à la maison, c'est bien. Tu as faim, bah, tu vas cuisiner, hein, parce que tant qu'à faire. Donc tu sers à quelque chose. Allez, ragoût du campeur. Qui, les parents? T'es sympa, toi. Non, mais il sert quand même à quelque chose, parce que tu vois, la mère, elle fait à manger, le père, il fait le ménage, tu vois. Et comme il n'y a pas la compétence ménage, ça ne sert à rien. Donc non, il me sert quand même à quelque chose, tu vois, c'est un peu comme Jules dans ton challenge à peau, j'ai deux boniches, quoi. Moi c'est grand luxe, hein, j'en ai deux, deux boniches qui servent à rien. Mais tu vois, les miens, j'enlève l'autonomie, sont beaucoup plus sages. Ils font des conneries aussi, mais beaucoup moins quand même. Bah, il est content, il mange son ragoût, tout va bien. Toi, t'as faim. Hop. Ah oui, le ragoût dans l'évier, c'est normal. Et toi, t'as fini. Vendre un collectionneur. T'en es où? Ouais, voilà, c'est ça. Faut alors devenir 4. T'as le niveau. Bon, alors j'ai eu quoi? 800 points. Je crois que je peux acheter un trait. Bon, on verra à la fin les traits. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, le charisme. S'entraîner à faire un discours.
Il nous reste combien de jours? Il y a toujours 6. Donc au niveau de l'école, on est où? On est vendredi, donc là il n'y a pas école pendant 2 jours. Ah d'accord. Ah t'es mal à l'aise. Ah oui, parce que c'est... Ah bah oui. Excuse-moi, ta mère a pas fait le ménage, alors c'est dégueulasse. Hop, nettoyer. On peut pas nettoyer ça sur... C'est pas sale. Non, c'est pas sale. Ça. On peut pas nettoyer non plus. Et ça, on va jeter. Voilà, en attendant, t'as qu'à aller apprendre la comédie. Allez, raconter des blagues. Et après, tu pourras retourner monter ton charisme. Elle va aller aux toilettes vite fait avant que son fils se squatte. Et comme sa barre de divertissement est basse, elle gagne à nouveau crac-crac. Allez hop, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. C'est un peu leur récompense pour servir les intérêts. J'espère que ça va pas tuer John. Parce que bon, à son âge. Et remarine. À son âge, les crac-crac. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'est pas content? Il m'énerve. Ouais, te plaît pas la glace ici? On va la mettre ailleurs, écoute. Ouais, elle te plaira plus là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, sors de là! Alors. S'entraîner à faire un discours. Et salut Bru. Eh ben écoute, ça va et toi? Merde, j'ai pas cliqué sur le bon aussi. Regardez-le. Ah, de toute façon, il est mort. Allez, prendre des restes et dormir. Il fera jour demain. Ça sert à rien qu'il s'écroule. Voilà, mange le bon ragoût du campeur que t'as fait. C'est bon, hop, t'as assez mangé. Au dodo.